Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de pilates avec une bande résistante. Donc, si vous n'avez pas ça à la maison, c'est pas grave d'utiliser les collants ou des leggings tout court, voilà, ou une serviette très longue. Certains exercices, on peut faire sans matériel, donc voilà, c'est pas grave si vous n'êtes pas équipé de ça à la maison. Si vous êtes prêts, c'est parti! Très bien. On commence debout. Pieds écartés, largeur du bassin. Genoux souples. Bassin neutre. Regardez le plancher pélvien, l'arrière vers l'avant. Creusez le ventre, bas vers le haut. Amenez les omoplates vers le haut. Glissez les omoplates vers l'arrière. Puis on amène les omoplates vers les fessiers. Montrez le menton. Allongez la nuque. Imaginez un petit fil de soie qui tire la tête vers le haut. On s'agrandisse à l'expiration tout en gardant le cou bien.
mouvement naturel de dos. Vous poussez les fessiers vers l'arrière et puis vous allongez les bras vers l'avant sans monter les épaules. Puis à l'expiration, vous venez au centre. Inspirez, poussez les fessiers vers l'arrière, allongez les bras vers l'avant. Expirez, revenez. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Dernier pas, restez en bas. Allez, juste avec les bras. Inspirez. Expirez. Laissez les épaules. Les jambes. Donc quand le bras court,
jambe gauche, posez le pied droit. Et puis vous posez l'avant-bras sur le tapis. Et on attrape l'extrémité de l'élastique avec la main droite. Inspirez par le nez. À l'expiration, vous allez pousser le bassin vers le haut, puis allongez les bras vers le haut. Inspirez, revenez. Ici, à l'expiration, on va
Alors, posez le pied au sol. Là, maintenant, à l'expiration, je pousse
les jambes en diagonale. Et puis je dégonne la tête, j'enroule la tête, une vertèbre après vertèbre. Et puis je vais terminer en teaser. En équilibre. Allongez les bras. Inspirez. Expirez. Je fléchis les jambes tout doucement. J'amène le genou au-dessus de la les hanches. Et je déroule tout doucement. Vous êtes prêts? Alors si c'est trop difficile, c'est pas grave. Vous continuez. Double leg stretch. Inspirez par le nez. Expirez, poussez les jambes en diagonale. Décollez la tête, enroulez la colonne. Équilibre fessier, bouge en allongé. Étirez les bras vers l'extérieur. Et puis vous fléchissez les genoux tout doucement. Contrôlez. La descente est très lente. Inspirez en bas. Expirez. Inspirez, tease. Expirez tout doucement. Contrôle. Inspirez la tête au sol. Expirez. Inspirez, redressez. Expirez. Encore deux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, courage. Expirez. Inspirez, redressez, poussez les épaules basses. Expirez, contrôle. Et puis relâchez. Ouh, ça fait du bien. Très bien. Alors, dernier exercice. Shoulder blitz. Avant ça, on va amener deux genoux contre la poitrine. Vous écartez les genoux vers l'extérieur. Petit mouvement de circulaire avec les genoux. Vous changez de sens. Serrez deux jambes contre la poitrine, balancez sur le côté pour masser le bas du dos. Deux jambes écartées, largeur du bassin, talons alignés avec les ischios. Voilà. Puis maintenant, vous allez placer l'élastique ici sur le bassin. Hop. Puis vous allez poser les mains ici. Vous bloquez l'élastique. Vous donnez un peu de difficulté pour travailler le fessier. Donc si c'est trop difficile pour vous, vous faites sans l'élastique. Inspirez. À l'expiration, basculez le bassin. Contractez le fessier. Le bassin vers le haut. J'appuie l'élastique vers le bas. Inspirez en haut. Expirez. Tout doucement. Déroulez la colonne. Si vous voulez l'imprimer la colonne vertébrale au sol, on inspire, expirez, basculez le bassin, poussez le bassin vers le haut, les genoux vers l'avant, le bassin aligné entre les épaules, les genoux, j'inspire en haut, j'expire, je déroule. Encore deux, j'inspire. Si vous êtes à l'aise, allongez la jambe droite au sol. Ou si vous posez ici la main sur le bassin, pour ne pas décoller la fesse droite. Poussez le talon gauche vers le plafond. Allongez la jambe gauche. S'étirez ici. Avec l'autre main, vous appuyez le bassin pour ne pas décoller. Ici, vous allez là, le pied vers le sol, vers la gauche. Et relâchez, relâchez complètement. Et puis
doucement vers le bas. J'espère que ça vous a plu cette séance. On se voit à très bientôt.